Salut les amis, je suis en pleine forêt Tijuca, secteur C du parc, et je suis sur le sentier de la Paire d'Agave. Ça fait 32 minutes qu'on a attaqué, à un rythme tout à fait raisonnable. Voilà, alors j'ai expliqué ça à la clame du jour, qu'au début c'est important d'aller doucement, parce que c'est la partie physique en fait. Donc elle peut être un petit peu éliminatoire si on va trop vite. Sachant que la randonnée est relativement costaud. Un petit peu moins de 2 heures en fonction du niveau. Mais qui n'a pas l'habitude, ça laisse des traces quand même. Voilà. C'est un parcours assez classique au départ. Et par contre, alors c'était revitalisé. Hein. On a un genre de Z qui permet malgré tout de récupérer. Alors là, il fait beau. L'avantage qu'on a, c'est que il fait 22 degrés à peu près. Donc il fait frais, l'air est fraîche. Enfin, c'est un parcours souvent. Voilà, des températures très élevées, l'air est très chaud, donc c'est beaucoup plus dur pour l'organisme. Faut pas oublier de l'eau, malgré tout on aura bientôt une cascade d'eau pour remplir, donc c'est important d'avoir une gourde d'eau semi-remplie au moins, et la remplir un petit peu plus haut. Voilà, je vous quitte les amis sur ce parcours, je continue, je vous fais un petit coucou, et puis, au moins d'une heure, on sera là-haut déjà. À bientôt.